comptais pas faire ce débrief au démarrage. Avant le match, je me disais que j'allais pas débrief. Parce que déjà, je débrief rarement. Je me disais que j'allais principalement débriefer les matchs de Coupe d'Europe, mais que là, il n'y avait pas forcément de besoin de débriefer. Parce que pour moi, face à Lorient, c'était une formalité. Voilà. Comme face à Nantes, pour moi, Lorient était une formalité. Pour moi, face à Lorient, fallait au moins mettre 2. Et pas s'en prendre. Ou à la limite s'en prendre 1, mais pas plus. Pour moi, voilà, c'était une formalité, Lorient. Donc j'avais pas prévu de tourner de vidéo, bien sûr. Mais pour moi, c'était logique. On gagne. Et là, je sais pas quoi dire de ce match. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Je sais pas, j'ai aucune raison qui explique le naufrage. Je tourne la vidéo une heure après le match. Et je compte vraiment faire le minimum vital niveau montage. Parce que cette équipe mérite même pas que je me tue à faire du montage. Je vais tâcher de rester calme dans mes propos. Je vais tâcher de pas insulter parce que ça ne sert à rien. Mais vraiment, vous m'avez dégoûté à un point abominable. Une honte pour un club comme le LOSC. Une honte. Perdre 1-0 à la limite. Perdre 2-1 à la limite. Mais 4-1. On a affronté Manchester City ou... Non mais sérieusement quoi, 4-1. 4 buts à 1. 4-1. C'est du délire. C'est du délire. Comment en étant un club qui joue l'Europe, comment en étant un club qui a des joueurs exceptionnels, qui a Jonathan David en attaque, bordel de merde, qui a Cabella, Yazice, Zegrova, Benjamin André, Angel Gomez, bordel, comment c'est possible? On a des joueurs d'expérience à tous les postes. Rémi Cabella était certes pas titulaire au démarrage, mais Yazice est un joueur d'expérience. David aussi, l'expérience des grands matchs, l'expérience d'être à Lille. Benjamin André, je t'en parle même pas. Ismaili aussi. C'est des joueurs d'expérience qui doivent apporter leur expérience. Et là, rien. Rien du tout. Ils ont rien apporté. Rien. C'est nada. Il n'y a rien eu dans ce match. Rien du tout. Et ça, je comprends pas comment c'est possible de ne rien provoquer, de ne rien faire pendant 90 minutes. Il y a dû avoir 4-5 bonnes actions en 90 minutes. 90, sans parler du temps additionnel, 90, au total 97 minutes pour peut-être 5 bonnes actions. On a tiré je sais pas combien de fois au but, énormément de fois au but, mais quasiment jamais dans la surface. À la 9ème minute, on prend un premier but sur une erreur incommensurable d'appréciation entre Ignacio Miramón et Lucas Chevalier. Ça fout la haine, mais tu te dis, c'est pas grave, on va se relancer. Une minute après, il y a une erreur de passe d'Ismaili, 2-0. Qu'est-ce que c'est que ce délire? 2-0 après 10 minutes de jeu. La saison dernière, au bout de 3 journées, on s'était pris un 7-1. Et là, on se prend un 4-1. Mais c'est pas Paris, c'est Lorient. À la 37ème minute, Ignacio Miramón sort, remplacé par Angel Gomez. Et Haraldsson, remplacé par Rémi Cabella. Fin de la première mi-temps. Ignacio Miramón, avec sa sortie, Angel Gomez, il a changé le jeu déjà. En moins de 10 minutes, en à peu près 10 minutes, il a changé le jeu. Cabella, pareil. Et en début de seconde période, on revient à un but. Jonathan David. Cabella qui fait la passe à Angel Gomez. Angel Gomez qui percute, qui fait la passe sur Jonathan David et but. Ça, c'est du beau football.
Ça, c'est ce que je veux voir pendant tout le match. Et je l'ai vu une seule fois. Une seule fois sur 90 minutes. Putain, les seuls joueurs qui ont été bons, ça a été Yazice alors qu'il est en méforme. Alors qu'il a besoin de confiance et de temps de jeu. Ça a été Zegrova. Jonathan David, mais on peut pas dire qu'il a été bon. Il a marqué un but, ok. Mais sinon, il a fait quoi? Il a fait quoi dans le jeu? Il a couru, mais il recevait pas de ballon. Parce que nos attaquants étaient incapables de lui faire une passe. Nos milieux de terrain, pareil. Benjamin André. Putain, t'es le joueur, un des joueurs que j'aime le plus au LOSC. Mais t'as fait quoi? T'as pété un plomb. T'étais où ce soir? T'étais où? Il était où le capitaine? Il était où le joueur qui était censé redynamiser les troupes? Il pétait un plomb sur l'arbitre toutes les deux minutes. Il râlait dès qu'il recevait pas une balle. Putain, t'es un capitaine! Agis comme un capitaine! Quand l'équipe est le cool, t'essayes de la relever! C'est quoi ce délire? La défense, je vais même pas en parler. Ismaili, nul. Nul, exécrable, inutile. Je l'ai pas vu du match. Voilà, c'est pas compliqué, je l'ai pas vu. À part deux percées offensivement, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Rien, t'as perdu une balle, on s'est pris un but, c'est tout. Bafodé, Diakité, je peux même pas te reprocher quelque chose. Tu t'es démis l'épaule il y a quelques jours, tu reviens parce qu'on n'a pas d'autres défenseurs en stock. Qu'est-ce que tu veux que je te reproche? D'avoir été un vaillant? D'avoir tenu 90 minutes? D'avoir essayé de tenir la baraque? Qu'est-ce que tu veux que je te reproche? Je peux rien te reprocher. Yoro, c'est pareil. Avec Bafodi d'Aquité, vous avez fait de la merde. Mais vous étiez pas aidé. Thiago Santos, il était à la ramasse. Il arrivait pas à se comprendre avec Benjamin Henry. Nombre de fois où il se gênait défensivement. Qu'est-ce que vous voulez faire quand il n'y a aucun des défenseurs qui a une cohésion? Quand il n'y en a pas un seul qui s'écoute? Et Lucas Chevalier, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a pas un seul joueur pour défendre Lucas Chevalier. Pas un seul. Il était tout seul à chaque fois. Tout seul. C'est pas normal. Donc la défense, Ismaili, exécrable. Diakité, exécrable. Yoro, moyen. Ça a été le seul défenseur à faire des retours et des tacles minimum réussis. Thiago Santos, défensivement, nul à chier. Offensivement, par contre, j'y reviendrai après. Ignacio Miramón, dégueulasse. Dégueulasse. Voilà, il a rien réussi. Après, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Il vient d'arriver, c'est son premier match. On l'envoie dans un bourbier. Voilà. C'est pas facile en même temps. Benjamin André, inexistant. Il a rien prouvé, que ce soit défensivement ou offensivement. Il n'était pas dedans. Il n'était pas dans le match. J'avais l'impression qu'il était encore chez lui, dans son canapé, en train de se prélasser. Et basta. Voilà. Donc Thiago Santos, offensivement par contre, lui au moins, offensivement, il a percuté. Il a provoqué. Il a réussi des superbes actions. Dont un centre en retrait sur Yazice. Yazice qui la reprend mauvais pied en déséquilibre, ça passe pas. Mais au moins, Thiago Santos, il a été exécrable défensivement, mais extrêmement bon offensivement. L'un des seuls bons offensivement d'ailleurs. Zegrova? Bah toi, t'as rendu la même copie que d'habitude. J'ai rien à dire sur toi, t'as été bon. T'as été l'un des seuls éléments offensifs bons dans les titulaires. T'as été bon. T'as été bon, franchement, y a rien à dire. Yazice, pareil, Yazice, tu reviens, t'es en méforme psychologiquement parce que tu joues quasiment pas et pourtant tu proposes. Putain, t'as été l'un des attaquants, l'un des joueurs offensifs. Avoir le plus proposé, avoir le plus provoqué, avoir le plus fait des bonnes choses. Yazice, oui, t'as fait un bon match. Par contre, David, non, t'as pas fait un bon match. David, t'as été exécrable. Haraldsson, j'en parle même pas. Haraldsson, j'ai même pas envie de m'attarder sur son cas. Parce que Haraldsson, si je m'attarde sur son cas, je l'insulte. Donc je vais même pas m'attarder sur son cas. Je vais même pas parler d'Haraldsson. Ça va être plus simple, je vais pas en parler.
Angel Gomez, par contre, toi, t'as fait une super entrée. Angel Gomez, t'as sûrement été l'un des éléments les plus utiles dans le jeu. Toi, t'as fait une super entrée. Cabela, pareil, t'as fait une très bonne entrée. Pareil, franchement, nickel. David, inexistant. Il a pas été nul, il a juste pas touché de ballon. Donc voilà, en gros, un bon match de merde. Un bon match où on se termine en se bouffant 4 buts à 1. Hein. Un bon match de merde où si on se prend 4 buts, c'est parce que nos défenseurs, ils sont tellement à la rue, j'ai l'impression qu'ils étaient à la buvette, qu'ils se croyaient déjà à la fin du match. Le match, il avait même pas encore commencé, qu'ils étaient déjà à la buvette. Lucas Chevalier, tu nous as sauvé aucun sur aucune des frappes. Tu nous as jamais sauvé. Enfin, si, sur des frappes vraiment pas très dangereuses, là, tu nous as sauvé. Mais sur toutes les frappes dangereuses, c'était but. Ah si, il y a eu une bonne intervention, sur tout le match. Une bonne. Bon, encore une fois, Chevalier, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Avec une défense autant aux abois, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? C'est pas lui qui fait des boulettes. Si, il y a la boulette en début de match. Mais il est autant fautif que Miramon. Donc, qu'est-ce que tu veux lui reprocher dans une équipe de clowns comme ça? Ouais, parce que là, c'est le terme exact. Hein. Une équipe de clowns. Une équipe de clowns. J'ai bien fait de pas me moquer que du match de Lens. Hein, parce que là, j'ai vu 11 clowns sur le terrain. Non, je suis méchant. 8 clowns. 8. Ouais. 8 clowns, parce qu'il y avait Thiago Santos, Zegrova qui était pas trop mauvais. Et Yoro à la limite. Ouais, 8 clowns sur le terrain. 7 aussi, parce que Chevalier. Ouais, si, même Chevalier il a pas été. 8 clowns sur le terrain. Vas-y, c'est. Je vais même pas m'attarder, je vais même pas mettre des notes, parce que si je mets des notes, elles vont tellement être toutes exécrables que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que si je mets des notes, je pense que la moyenne de l'équipe elle doit être à 3,5. Donc vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je m'attarde sur les notes. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Je sais même pas quand on va sortir la vidéo, je pense d'ici une heure après le tournage, qui se fait vers 20h et quelques. Mais voilà, passez une bonne soirée. Bon match pour les équipes qui jouent après le débriefing. Et si tous les matchs ont été joués, bah j'espère que votre club a gagné. Moi, je pense que je vais aller me retirer dans une église au Tibet. Hein, je pense que ça va être bien. Et puis, voilà. Hein. Je ne parlerai plus du LOSC de toute la soirée, je pense. Hein. Voilà. S'il y a un autre débrief, ce sera pour le match retour de Conference League. Et je vous promets, hein, là, j'ai réussi à rester calme. J'ai réussi à pas vous insulter. Mais je vous jure que si vous perdez et que vous êtes éliminé de Conference League, là, je vais pas réussir à me retenir. Donc voilà, j'espère que le débrief vous aura plu. Moi, en tout cas, il m'a pas plu du tout à tourner, mais fallait que j'extériorise à quel point ces joueurs m'ont fait péter un plomb. Donc voilà, je vous dis à bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo, j'espère, beaucoup plus agréable, que ce soit pour vous ou pour moi. Pas une vidéo où je râle pendant 13 minutes. Enfin bon, sûrement moins, parce qu'il y aura 2-3 cuts. Voilà, donc je vous dis à bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'elle sera vraiment bien préparée celle-là, parce que ce sera peut-être pas un débrief. Je vous dis à bientôt les amis, c'était Nats. Ciao. Je suis complètement dépité.